إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, nous allons apprendre ensemble concernant un parfum qui bandine, je ne suis pas capable de sentir. Quand je sentis ça, ça fait juste beaucoup du tout. Ça fait juste souffrir. Qui ça parfum là? C'est ça même Al-Oud Al-Hindi. Oud Al-Hindi. Ban frère et ban soeur, surtout ban qui, dans le domaine de Ruqya, ou trouvez quand une personne qui est touchée par Shaitan, c'est-à-dire la présence de Shaitan de ce déco, est capable de ramasser ou bien fin avouer le lit, c'est ça même la sorcellerie. Lorsque nous prenons sa parfum là, nous frottons contre son aîné ici, il commence à crier, il commence à manifester, il commence à faire des dégâts. Ou bien il y a des fois, nous prenons une petite goutte, drop, petite goutte même. Comment nous mettre de ce dénarine, ça nous descend une rote de sur la tête, il commence à descendre, il commence à crier, et il y a des fois tellement il crie, Jenna, il pleure. Assez, 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 peut brûler, allez, on peut aller, on peut aller. Assez, 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 assez. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de cas, alhamdoulilah, comment il servit ça à l'oud, à l'hindila, ce parfait, tellement il faut, qu'il s'abandonne chez toi, je ne suis pas capable de résister. En retour, je te commence à crier, je te commence à manifester, je te commence à bouger. Et dans beaucoup de cas, quand je te commence à vociférer, je te commence à causer. Ah, c'est, c'est. Bon, ben, Djiman, nous veut brûler. Nous trouvons qu'il quitte l'écho de sa personne. Et Alhamdoulilah, Djimouna, les gars, se guérison. Ça, beaucoup de l'expérience qui nous fait faire dans sa domaine à travers sa parfum. Nous dire, ça, il permet de remède additionnel pour une personne qui ne touche pas Shaitan. Par exemple, boire de l'eau zamzam. Par exemple, il baille avec de l'eau fée maçon. Par exemple, il boit 10 000. Ça, alhamdoulilah, il y a une preuve l'eau là. Et servir ça, roud al-hindila, ce parfum extrêmement efficace. Tout ça là, il aide pour combattre sa Shaitana, pour retirer sa djinnah depuis l'écho sa personne. Mais le reste, ce qui plie important de ce qui nous fait faire mention là, c'est que la personne il commence à faire 5 fois salat, il commence à mettre son adhkar, il garde son écho propre, il lit le Coran tous les jours, surtout il est connecté avec Suratul Baqarah. Ça c'est ban asas, ça c'est ban base. Non plus un djimoun maintenant, ah, mon connaît que gain bon guérison, mal roud al roud al hindi. Il n'est pas pour faire namaz, il n'est pas pour garder son écho propre, il n'est pas pour lire son adhkar. Li pas pour recevoir avec ban haram, li pas pour éviter ban grand désobéissance sur la vie, ban affaire de base, li quitte tout là, li pas pour mettre en pratique li. Qui li commence faire, li pour servir ban additionnel là, ça li peut badiner. Li pour affecter Shaitan bien sûr, li pour faire li souffrir, mais seulement li pas obligatoire qui dit pour quitter sur les cours. Il est capable d'avancer, il est capable de revenir. Mais quand ça dit mon âme, il ne retourne vers Allah, il établit sur sa foi namaz, sur lecture Coran, il sent sur la vie, il corrige un grand, grand défaut, manquement, faiblesse qui est dans lui. Il fait un travail de haram, il quitte, il commence à faire un travail halal. En même temps, il boit ce du miel, il est capable de faire ce hijama. Ce dit le zamzam, et l'issyabi ce roud al-hindi, de là, ça livine beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant vis-à-vis sa chaitona. Livine un zombie bien, bien faux pour qu'il pousse sa chaitona parce que la base, l'une des gens finit. Structurer le l'obéissance à Allah, le moment qui limite sa ban additionnel là, alhamdoulilah, nous témoignons beaucoup de cas que sa personne a bien bien vite, ça quitte sur l'écho quand nous mettons sa roud alhamdoulilah de son narine, parce que sa ban djinnah, sa ban chaitona, je ne suis pas capable de sentir ça, ça affecte les autres, ça fait les autres souffrir. Donc, il y a des gens capables de dire que pour gagner ça, si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes à Makka, à Madina, ou bien à Dubaï, gagnez un bon là-bas, ou capable de faire ça. Amen. Pour vous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.